Je m'appelle Laura, j'habite à Paris en France et j'ai 15 ans. En France, c'est plutôt difficile parce que on est seul la plupart du temps, enfin, les trois quarts du temps, on est seul dans notre école. On doit aller dans une église où les autres qui sont avec nous, ils sont pas de la même ville, alors on peut pas les voir pendant la semaine quand on est à l'école. En 2010, nous avons eu le thème de « Comment rester fort » dans Josué 1:9. Et je pense que ce thème s'adaptait vraiment bien à moi cette année parce que je me suis vraiment sentie seule dans l'église parce que mes amis de l'église, je ne peux pas les voir à l'école ou parfois c'était difficile pour eux de même rester à l'église. Et la phrase « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras », ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi parce que je prie tout le temps, c'est pas pour me la péter, hein. Mais je prie tout le temps pour tout, pour demander tout, pour avoir de l'aide. En gros, j'ai tout ce que je veux quand je veux parce que je sais que Dieu il sera avec moi dans tout ce que je fais et c'est vrai, je le ressens. Progrès personnel, c'est vraiment une chose difficile à faire tout seul, je pense toute seule parce que c'est pour les filles. Mais si on se met toutes les jeunes filles à le faire ensemble et à se fixer les mêmes buts, je pense que si on avance tout ensemble, au lieu de comparer « Oh, moi j'ai plus de croix que toi » ou des trucs débiles comme ça, ça va être vraiment mieux d'être tous ensemble. Donc, progrès personnel, ça nous aide à nous rapprocher des autres jeunes filles et à connaître nos vraies values, toutes les choses comme ça de jeunes filles de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu et des autres. Nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables de supporter tout. C'est vraiment important de croire en Dieu parce que comme ça, ça nous aide à être meilleurs parce qu'on sait c'est quoi nos vraies valeurs. On a vraiment un but sacré dans notre vie. On vit pas au jour le jour en se demandant « Mais en fait, pourquoi j'y vis? J'ai pas de raison. » Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Pour avoir les choses qui sont bien, qui sont pas forcément à notre portée, on doit rechercher, on doit faire comme Joseph Smith quand il avait 14 ans, je pense. On doit prier pour demander notre vérité, pour avoir notre propre témoignage. Non pas attendre et dire « Oh, il n'y a personne qui vient me parler de choses importantes, personne qui me dit « Ouais, Dieu y vit ». Enfin, si, ça arrive des fois, mais bon. Je pense qu'on doit vraiment nous-mêmes chercher à avoir notre foi, notre témoignage et nos connaissances de la vérité.